Le jour du combat, les gars, c'est parti. Je vais pas vous mentir, je me sens pas très bien. Hier, j'ai pas su beaucoup manger, j'ai su faire qu'un repas. Au niveau de l'hydratation, ça va. Je me sens pas très bien, pas très très bien. Mais bon, c'est pas grave. C'est important, sur le tapis, on va assumer. Moi, j'ai toujours des nausées avant de combattre, j'ai toujours envie de vomir. J'ai toujours. Mon corps, il se met dans des états pas possibles. Pour ceux qui stressent, c'est pas un problème, les gars. Les gars, c'est pas un souci. Thank you.
Ok les gars, j'ai fini là mes deux premiers combats. Donc là il y a une petite pause de 50 minutes, une petite pause. La catégorie elle continue à tourner, mais moi je combat que dans 50 minutes. C'est pour ça qu'entre chaque combat j'enlève mon kimono, je remets mon petit sweat pour rester chaud, je marche un petit peu, je m'aère un petit peu l'esprit, je respire. Mais voilà, là j'ai gagné mes deux premiers combats. J'ai mis deux premiers combats, là c'était dur hein, le premier combat, je tombais contre un chinois. Je l'ai un peu sous-estimé parce qu'il avait des cheveux gris et franchement je l'ai un petit peu sous-estimé. Mais je suis resté quand même lucide pendant le combat et j'ai quand même gagné au coin. Mais franchement, j'ai eu chaud quand même. Hein. Dans ce deuxième combat, j'ai gagné par clé de cheville. Donc j'ai mis une clé de cheville. Les gars, faut savoir que j'ai jamais mis une clé de cheville de toute ma vie. En compétition, à l'entraînement, j'en ai mis plein. Mais en compétition, c'est jamais dans mon jeu. Mais là j'ai décidé d'en faire une. Prochain combat, les gars, je prends un très très bon gars. Je prends un adversaire, il est très très fort. Voilà, on va faire le taf. Hein. On va essayer. Hein. De toute façon, le plus important, c'est de combattre sans regret. Les gars, je vous fais vite fait un petit topo de la situation. Donc là, j'ai fait deux combats, trois combats. Donc j'en ai gagné deux, mes deux premiers par le premier par point, le deuxième par soumission. Clé de cheville, d'ailleurs, ça fait longtemps. Je crois que c'est la première fois que je mets une clé de cheville en compétition à quelqu'un. Et ensuite, je tombe contre un adversaire très très fort en quart de finale. Lui, c'est un senior depuis longtemps, il est plus avec moi et je crois qu'il a déjà pris le titre des champions du monde. Je pense qu'il a déjà pris une fois ou deux. Je sais qu'il a déjà fait champion d'Europe. Ça c'est sûr, il a déjà fait champion d'Europe. Champion du monde, il faudrait que je vérifie. Je vais vérifier, je vous refais une séquence. Mais en tout cas, voilà, il est bon, il est très très bon. Vous voyez le classement, le ranking mondial. Lui, il est deuxième ou troisième. Il est facile dans le top 5. Faut que je vérifie, mais il est facile dans le top 5. Bref, avec lui, on fait une belle guerre. Mais je perds à la toute fin. Je vais pas vous mentir que pour moi, je devais gagner. Après, quand je revois le combat, c'est vrai que c'était un petit peu...
Pour pas rentrer dans la technique, c'était un peu mitigé au niveau des points. C'était 4-4 à la fin, il me renverse. Bref, c'était un peu, c'est vraiment dans la technique. Mais voilà, tout le combat, j'étais en train de mener, je gagnais. Enfin, je me sentais bien en fait. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des expériences. J'ai fait une petite erreur à la fin qui m'a coûté, on va dire, la victoire. C'est vraiment une petite erreur que j'ai faite à la fin qui m'a coûté 2 points et donc la victoire. Mais c'est pas grave, c'est des apprentissages. Maintenant, il me reste 3 combats. Il me reste 3 combats pour la place de 3, donc j'espère que je vais faire 3e.